Oui, du coup, Jérémy. On rigole bien avec Axel. J'ai appris par ce projet, justement, j'ai entendu par un ami. Et tout de suite, mes parents, ils ont appelé pour dire que je suis intéressée. Du coup, moi, je cherchais à fratrie parce que j'ai envie d'habiter et de me sentir à l'aise avec les colocs. Est-ce que tu voulais partir de chez tes parents? Et du coup, je viens de partir de chez mes parents. J'étais super contente d'habiter à fratrie. J'étais à l'aise, je connais bien les colocs que je connaissais avant. Donc, j'étais super heureuse. Des grandes, on a une piscine, on a un jardin derrière. C'est une maison correcte. Je rajouterais qu'on a donc une chambre chacun, avec chacun notre salle de bain, donc ça c'est cool, ça évite un peu certains conflits. On a aussi des espaces communs comme le salon, la cuisine, Salle à manger. la salle à manger et l'espace Et télé. l'espace télé, Mon quotidien à fratrie, il est un peu rythmé par mes heures de travail. Je travaille en 2-8, donc une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Donc il y a des semaines où je vais moins voir les colocs et d'autres où, comme le matin, j'ai toute l'après-midi de disponible. Donc là, c'est surtout dans ces semaines-là où je partage beaucoup de temps avec eux. Et après, sinon, il y a deux dîners de colocs qu'on fait par mois. C'est aussi l'occasion où on peut discuter des choses qui vont pas, des choses qui vont bien, des projets qu'on aimerait faire tous ensemble. Voilà. J'ai signé, super contente, ravie. J'ai commencé le 8 novembre, mon premier jour de mon contrat, et c'était super bien passé. Je suis salariée de serveuse en salle, donc je faisais un peu de service. Je ferai de la cuisine de temps en temps. Oui, il y a pas mal de choses, les tâches du quotidien avec les trois personnes d'une association qui s'appelle l'ADT. Et donc il y a Clémence, Marine et Fanny. Ils sont là pour nous aider à devenir autonomes. Donc, ménage, cuisine, les courses aussi, surtout un peu de vaisselle. Je participe, je deviens autonome au niveau de ma lessive. Donc c'est vraiment génial. Et j'ai pas mal d'apprentissage à faire, surtout le repassage. Tout, là, des jeux ou des films, des moments qu'on partage ensemble. On fait un petit feu de la cheminée, des apéros, faire des dîners ensemble. Je passe mon temps à cuisiner, j'adore ça. Oui, du coup, Jérémy. On rigole bien avec Axel. On se taquine beaucoup.